Donc le dimanche à la campagne, on est déjà arrivé à la 17e fois pour moi. Et c'est toujours un succès, il y a pas mal de monde. On a vu un temps un petit peu mitigé le matin avec un peu de pluie. Mais malgré tout, les clients qui avaient réservé pour le midi sont tous venus, à une exception près. Mais il y avait du monde pour remplacer, c'est pas un problème. On a refusé une cinquantaine de personnes parce qu'on souhaite garder une qualité de service, servir au maximum les gens à table, et donc on tient à respecter ça. Et autrement, je viens de faire un petit tour là des stands et tout le monde est content. Les producteurs de champignons, par exemple, tout ça, ils sont ravis. Et pareil, c'est des gens super sympas, quoi. Ce matin, par exemple, j'avais commandé des champignons. Comme il sait que j'ai pas beaucoup de temps, il me les a nettoyés. C'est énorme, quoi. Ça paraît comme ça, mais c'est énorme en boulot, quoi. Donc, il y a du cerclage de roues. C'est que des copains qui sont venus gentiment pour faire ça. Et c'est vraiment, vraiment une bonne ambiance qu'il y a sur le site, avec une vraie fraternité, quoi. Donc, bilan satisfaisant, je pense qu'on va tourner autour des 2000 personnes, avec beaucoup de monde cet après-midi, des gens qui se baladent. Et ce que j'apprécie, c'est justement, c'est des gens qui n'ont pas forcément envie de dépenser de l'argent, mais qui sont là, qui parlent entre eux, qui se sont vus déjà l'année dernière et les années d'avant. Et puis des nouveaux, avec des enfants qui découvrent ce qu'est un mouton, ce qu'est une vache, ce qu'est toutes ces choses-là, la tonte du mouton, pourquoi on le tond. Il y a un professionnel, un ancien professionnel qui vient faire ça juste par amitié. Et il explique bien aux jeunes et il explique bien à tout le monde pourquoi on fait ça et comment on le fait. Ta convivialité, c'est surtout la convivialité que j'ai retenue de ça. La grande convivialité entre les gens qui se retrouvent, j'ai l'impression. Vous rassemblez les gens entre eux. Ce qui manque en ce moment avec les nouveaux gouvernements. Vous arrivez à rassembler. Ça a toujours été notre but. C'était pas forcément commercial, mais c'est que les gens se sentent bien à la ferme et se sentent bien entre eux. Tous les exposants sont des amis ou assimilés. Il y a vraiment une bonne entente. Il y a des gens que je vois que cette fois-là dans l'année, mais on se rencontre sur des fêtes, ils sont heureux de nous voir et tout, et on sent qu'ils sont bien chez nous, quoi. Donc l'année prochaine, il y aura toujours le dimanche à la campagne, mais il y aura toujours beaucoup de sites ouverts, il n'y a pas de problème. C'est au bord du Vierzon que se conclut notre journée campagnarde. Bien évidemment, un dimanche à la campagne, c'est terminé pour nous. De nombreux exposants nous ont montré leur passion pour la nature et ça fait plaisir de voir ça dans l'Aube. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Aube Reporter, sur les réseaux sociaux. À très bientôt.